En
C'est une œuvre incroyable et qui est brûlée vers moi. J'écouterai vos cris. Ma colère s'accumulera et je vous ferai périr par mon épée. Vos femmes deviennent vos veuves et vos fils orphelins. Thank you.
pensez-vous? On cherche à faire Jésus-Christ, ce n'est pas la première fois, et le Christ, dans sa sagesse, a toujours répondu au rêve de faire un pas de plus dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa mort. C'est intéressant de voir que devant le mépris, le Seigneur ne répond jamais au mépris par du mépris, mais toujours par de l'amour. Comme si chaque fois qu'on voulait le mettre à l'épreuve, il profite pour faire grandir dans la foi et dans la connaissance. C'est bien ça. C'est comme ça que vous réagissez, frères et sœurs. Quand on vous guérit, vous profitez comme Jésus pour donner un enseignement et amener la personne beaucoup plus loin. Amen. Amen. C'est bien ce qu'il semble, c'est pas comme ça que vous faites. Et pourtant, Jésus ce soir nous donne la pédagogie. Ce n'est pas la première fois que Jésus vient à l'école. Rappelez-vous, c'était quoi la semaine dernière, les blagues à l'école. Pour ceux qui étaient à la messe et qui écoutaient les évangiles, on présente à Jésus une pièce et on lui demande qu'est-ce qu'on va faire de cette pièce. On est d'accord. C'est aussi une mise à l'école. Et le Christ a profité pour donner un enseignement. Et là, c'est toujours la même chose. On est toujours dans les controverses. On cherche à faire tomber Jésus parce que son enseignement dérange. Et donc, le Seigneur s'est permis que ceux qui viennent le provoquer n'ont pas le désir d'apprendre, le désir de cheminer, le désir même de le servir ou de le suivre. Ils veulent le casser. Et que fait le Seigneur? Il répond toujours par de la sagesse et de l'amour. Et aujourd'hui encore, quand on lui pose la question au niveau de la loi, quel est le plus grand commandement qui t'en a deux? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit et ton prochain comme toi-même. À qu'est-ce que Jésus dit ça aujourd'hui? À nous. Donc si le Christ a dit qu'on parle de commandement, c'est pas le fait de lui être obligé, c'est pas ça du tout. C'est voilà ce qui fait le sens de ta vie. C'est comme si on se posait la question ce soir, avec cette semaine qui s'est écoulée, comment ai-je aimé le Seigneur comme il le demande? Et comment ai-je aimé mon prochain? À partir du moment où vous faites révision de vie sur ces deux réalités, vous n'avez pas besoin de chercher autre chose. Le Seigneur vous montrera très bien ce qui a été et ce qui n'a pas été. Bien que pour certains, entre les deux, quel est le plus facile? Aimer Dieu ou aimer le prochain? D'après vous. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile d'après vous? Ah, vous êtes déjà partagé, vous êtes ensemble, là où nous nous gênons. Certains disent que nous avons partagé avec Dieu, vous ne savez pas quand il dit. Quand il dit, il y a des gens aussi. Ami, mais lui. Donc, on peut dire que c'est plus facile d'aimer Dieu, puisque Dieu, il ne change pas. On est d'accord? Et en même temps, aimer Dieu comme il le demande, c'est autant exigeant qu'aimer le prochain, soyons honnêtes. Parce qu'on est tous le Seigneur. Mais combien de fois dans notre vie nous est-il arrivé de mettre l'amour de Dieu en concurrence avec les réalités matérielles, humaines et même spirituelles ou religieuses? Ce n'est pas simple d'aimer Dieu de tout son cœur, parce que Dieu demande l'exclusivité. Ça veut dire qu'avant d'aimer tes enfants, tes aspirations.
déjà se sont reprochés les douleurs. C'est le plus proche de vous, donc le voisin, la voisine à côté de vous. C'est votre prochain ce soir, d'accord? Donc déjà, vous aimez. C'est fait? Tournez-vous vers le voisin pour faire passer au premier de Dieu, que Dieu s'appelle maintenant. C'est pas fini. Et lui, maintenant, au nom de Jésus, je t'aime. Ça montre bien, frères et sœurs, qu'on a besoin de l'amour et qu'il nous manque. De l'amour, là où il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a de l'espérance. Là où il n'y a plus d'amour, malheureusement, on le voit à la télé. Qu'est-ce qu'on va trouver? La guerre. Et c'est là qu'il nous faut prier sans cesse pour que l'amour de Dieu soit toujours remis dans notre vie. Ça veut dire que l'amour de Dieu qui nous est donné dans l'Eucharistie, c'est ce que Dieu nous montre. Il nous aime tellement qu'il donne sa vie. Et que tous les samedis, tous les dimanches, dans chaque Eucharistie, on actualise le sacrifice du Christ sur la croix qui est mort pour nous et qui est vivant pour nous. Donc quand tu viens à la messe, tu viens te ressourcer dans l'amour de Dieu qui t'a donné gratuitement. Et en même temps, cet amour de Dieu que tu viens rechercher dans le prochain, à partager cet amour. Ce soir, on a des prochains, c'est sympathique, on les manque. Mais quand on rentre à la maison, le prochain, c'est fini. C'est les enfants, c'est le mari, la femme, c'est les parents, etc. C'est le voisin tout simplement. Et on sait très bien que l'amour qui vient de Dieu, ce n'est pas facile de le partager. Même quand on aime ses enfants, il y a des parents pour la santé. Des fois, on est fier de ses enfants, surtout quand on travaille bien. On dit, madame, monsieur, un tel de votre enfant qui est là, comme votre enfant est sain, donc que je vais bien dire de votre enfant. Et toi, parent, tu es. Mais si on nous demande d'une madame de se faire votre enfant, c'est qui vous met l'école, etc. Il y a un support, un blessure, ou on va dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et ce qui nous vient à l'esprit, c'est pas d'aimer ton enfant. Venez un peu. Et là, on passe du tu, pour vous, venez un peu. Ce n'est pas l'amour qui nous invite. On est d'accord. Et même quand on a un ou amoureux, il est venu nous dire aujourd'hui, Jésus dit plutôt, Seigneur, il n'y a personne dans la maison, je vais votre grand cœur qui s'y a là. Mais madame, on n'a pas, j'avais que vu un petit temps pour moi tout seul, tout seul. Mais bonsoir, chérie, ça fait trop ça dans la maison. C'est l'école de l'amour. Ça veut dire que l'amour qui vient de Dieu, c'est une réalité à construire constamment. Tu ne peux pas réclamer de l'amour si tu ne travailles pas toi à aimer comme Dieu te demande. Et il faut faire le choix d'aimer. Tu as fait le choix de Christ, alors ça ensemble, tu fais le choix d'aimer. Pas d'aimer ceux qui sont comme toi, ceux qui te ressemblent, ou même ceux qui partagent avec toi que toi, mais d'aimer ceux que le Seigneur met sur ta route, combien même dans notre vie, on rencontre tant de gens aimables et des gens qui ne sont pas du tout aimables, on est d'accord. Mais Dieu te dit qu'il faut les aimer, même si je pose la question comment y arriver, c'est pas facile. Et en même temps, si vous puissiez vivre dans votre humanité qui est marquée par le péché, on ne peut pas aimer comme Dieu le demande. Donc si tu veux aimer, il faut d'abord que tu ailles à la source. Seigneur, moi qui m'aime d'un amour fort, d'un amour puissant, d'un amour qui guérit, d'un amour qui pardonne, d'un amour fidèle, et bien apprends-moi, comme toi, à aimer de la même manière. C'est pour ça que je parlais d'abord d'un choix. Parce que souvent nous nous faisons, j'ai pas envie. C'est pas la même chose que je ne veux pas. Donc si toi tu es croyant, même si tu fais les choses que c'est dur d'aimer, tu dois faire le choix en Jésus-Christ de tout faire pour que l'amour de Dieu en toi puisse briser les portes qui se sont fermées devant toi. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ça dit toujours, Seigneur, elle ne t'aime pas. C'est vrai qu'on en souffre beaucoup. Quand quelqu'un ne sait pas, ça ne fait la paix. Combien de fois
Mais le Christ qui était tout amour a reçu la couronne de vie de la croix. On est d'accord? Et l'on regardait de l'autre. Et pourtant, quand on regarde le Christ dans son parcours, il n'a fait que lui. Il a guéri, il a donné à manger, il a cherché les vies. Et pourtant, lui-même n'est pas aimé. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'élève est au-dessus du maître. Donc, comme le Christ, on va t'aimer puisqu'on va reconnaître en toi l'amour de Dieu. Mais comme le Christ, on ne devra pas toujours t'aimer. Parce que comme le Christ, ta manière d'être dérange. Amen. Donc, tu ne peux pas remplir ces qualités de ton amour à la force de tes poignets. Il faut revenir vers celui qui est la source de tout amour. Et vous allez prendre compte que demander cette grâce au Seigneur, il vous la donne. Et en même temps, ne pas avoir un compte de prêt si nous ne travaillons pas à plus d'amour. Vous avez des gens qui ont fait l'expérience, qui aident, évidemment, parce qu'ils sont bien, qui s'aident, et ça suit leur vie. Et puis, vous avez des gens qui ont du mal à souffrir leur histoire, les gens, les blessures. Vous avez beaucoup d'hommes et de femmes que je peux blesser, deviennent blessants. Et quand on creuse, il y a toujours une souffrance d'amour dans la méchanceté de bien des hommes et des femmes. Faites l'expérience, vous y arrivez avec la grâce de l'Esprit Saint. Même au travail, vous faites lire votre boulot, la personne ne vous aime pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a une raison. C'est parce que peut-être au travail, on reconnaît la qualité de votre travail. Et on le vient de partout. C'est une vraie reconnaissance que vous ne cherchez pas, mais que d'autres voudraient bien recevoir. Eh bien, ça va suffire à être jaloux de vous. Simplement parce qu'on a dit du bien de votre travail. Et pourquoi est-ce que la personne veut cette reconnaissance? Parce qu'elle ne se sent pas aimée, reconnue. Il y a la personne qui si elle est forte, elle aura de l'amour. Sauf que l'amour, ça ne s'achète pas. Et l'amour, ça ne se prend pas, ça se reçoit. Mais bon nombre de femmes étant aujourd'hui blessées, et même deviennent blessants et malheureusement même méchants. C'est pour cela que nous faut sans cesse prier pour que l'amour de Dieu que nous recevons puisse aussi toucher, atteindre les cœurs de ceux qui sont blessés. Il ne s'agit pas pour autant faire des erreurs de justifier le mal, la méchanceté, on est d'accord. Mais de se dire devant le mal, la méchanceté, il n'y a qu'une logique qui tienne, c'est la logique de l'amour. Donc, ça veut dire que quand vous êtes à la maison, il faut travailler à vous aimer, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a de l'amour dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos relations? Non, votre baptême, c'est une vidéo. Non, non. Est-ce que ça vous a dit la fait que je t'aime? La dernière fois que vous avez dit je t'aime à la maison, c'était quand? Vous avez fait votre enfant, le coup, je ne sais pas qui, etc. Ou bien de vous ici, et bien de te voir là, ça me fait plaisir. Ou bien de dire à l'autre, tu as fait ça, si tu savais comme ça me donne le cœur aux joies, on ne sait pas, on ne sait plus manifester l'amour entre nous. Par contre, on sait trop facilement dire des reproches, ce qui n'est pas bon. Il y a un couple que je connais, même s'il y en a plusieurs comme ça, où le mari, une fois, me nettoyait la table. Des cafés. Mais il a aussi fait, il a nettoyé, il a fait dans la scène. La femme, on va laisser faire les cheveux. Non, mais là, il s'agit, non, c'est pas bien, non. Et c'est la première fois qu'il le fait, pas une chance. Amen. Il va raconter des infos, non, c'est pas bon. Il va jamais refaire. Et après, quand on peut avoir des copines, on va à la village, c'est au niveau de la vie. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pareil même pour les enfants, c'est pareil. L'enfant a travaillé, il a vu qu'il a fait un effort, il a touché une bouche, 12 ans, et vous pouvez passer le 15 ans. Mais si vous m'avez dit qu'il avait 10, moi t'as mis 12, est-ce que c'est maintenant moi, je m'en fais, c'est sûr. C'est pas ça nous l'a fait. Ah non, ton cousin, ton frère a eu 15, a eu 18, hein? Et c'est comme ça qu'on casse et qu'on casse. L'amour nous rappelle qu'on est tous différents et dans une famille unique. Donc, ne compare pas un tel avec un tel. Ne compare pas ton mari au mari de la voisine, ta femme à la femme du voisin, etc.
Ne crois pas non plus tes enfants à ton compte, à ti ou à l'autre, puisque chacun est uni. Mais c'est dans l'amour que tu accompagnes celui que Dieu te donne comme étant le prochain. Et ça veut dire que si tu sais le reprendre, d'accord, il faut reprendre. Mais il faut aussi savoir dans l'amour encourager, féliciter. Sinon, nous faisons trop souvent, frères et sœurs, des économies. Combien d'adultes j'ai rencontré, puis mes parents n'ont jamais dit je t'aime. Je sais qu'il m'aime, je devine qu'il m'aime. Mais je n'ai jamais entendu mon père, ma mère me dire je t'aime, je suis fier de toi, etc. Tu fais ma joie. C'est quand même une tristesse. Parce que si on ne sait pas l'exprimer, comment est-ce que l'amour va grandir si à un moment donné il n'est pas verbalisé? Donc dans nos familles, dans nos foyers, sachons, frères et sœurs, dire je t'aime. C'est pas je t'aime, tu es parfait, mais je t'aime pour ce que tu es. Tu as posé tel acte là, et bien c'est de l'amour, je reconnais cet amour, cet effort, si peu qu'il soit-il. Regardez le Christ, quand vous allez à la confession, c'est ce que Jésus vous dit, hein, quand le prêtre vous donne la bénédiction. Et Dieu sait qu'il t'a dit, je prends la ferme résolution, la secours, la sainte grâce. Nous sommes une église où j'ai péché. C'est pas vrai? Et pourtant, le Seigneur te dit à la confession, quand il te donne son pardon, qu'est-ce qu'il te dit? Je t'aime plus que ton péché. Donc ça nous montre bien que l'amour de Dieu n'est pas limité. Imaginez que Jésus te prenne pour je viens à l'absolution, ou péché ici, vous voyez, parce que quand ça pourrait tomber là, je viens à l'absolution, je vais rester dans mon péché. On souffrirait douloureusement de savoir que l'amour de Dieu se heurte à notre faiblesse. Et pourtant, Dieu prend le pari, fait le jeu de la confiance avec chacun d'entre nous, malgré nos fragilités, de nous donner son amour qui se fait par nous. Donc, si Dieu ne désespère pas de nous, nous n'avons pas désespéré ni de nous-mêmes, ni des autres, ni du monde. Vous avez des personnes qui vont prendre du temps, et puis en a, ça va être plus rapide. Pour terminer un témoignage, alors qu'on m'avait rapporté l'histoire vraie, c'est un jeune qui avait mal fini malheureusement et qui s'est retrouvé à un moment donné jugé et puis de juger emprisonné. Et puis juste avant qu'on l'enferme de manière définitive pour quelques années, il a demandé à l'embrasser sa maman. Et quand il s'est approché de sa maman, il l'a pas embrassé, il lui a mordu l'oreille à sang. Et il a dit à sa maman, c'est pour tout l'amour que tu ne m'as pas donné. Ça fait réfléchir. C'est pour tout l'amour que tu ne m'as pas donné. Donc il avait conscience que ses bêtises le conduisaient en prison, il passait à autre chose, mais en même temps il avait conscience que dans toute sa vie de bêtises, il lui manquait une seule chose, l'essentiel, c'est l'amour de sa maman. Comme il manque beaucoup l'amour des pères à la Martinique. Donc là où il n'y a pas d'amour, frères et sœurs, vous ouvrez les brèches pour le malin. Et beaucoup de jeunes se retrouvent souvent perdus, pas parce qu'il n'a pas d'argent à la maison, mais parce qu'on a oublié d'aimer. Et on ne pourra jamais remplacer l'amour d'une mère et l'amour d'un père. Donc même si on est persuadé que la maman elle fait tout, c'est pas vrai. Quand un papa ose aimer, alors il libère son enfant et lui permet d'être debout demain. Mais quand les papas refusent d'aimer, même quand on est séparé, alors ses enfants auront des difficultés parce qu'ils vont grandir avec une blessure ouverte. Donc, chers parents, n'ayez pas peur d'aimer. Qu'on soit deux, qu'on soit séparés, qu'importe. Un enfant ne peut pas grandir s'il lui manque l'amour. Il ne peut pas grandir, on va dire, convenablement. Il va grandir puisque Dieu est grâce et qu'il nous tient. Mais il va toujours manquer quelque chose. Je ne dis pas parce que j'ai lu dans des livres. Mais même les gens que j'ai rencontrés de 60, 70 ans disent, père, dans ma vie, il y a eu ça. Mais il m'a manqué toujours, soit l'amour de maman, soit l'amour d'un papa. Et aujourd'hui, personne ne peut remplacer cela. Pas même l'intelligence artificielle qui a tendance à nous ressembler de plus en plus. Rien ne peut remplacer l'amour que Dieu met dans le cœur des uns et des autres pour le diffuser aux autres. Alors demandons cette grâce. Le Seigneur nous aime et il n'a jamais de dégoût pour l'humanité. Quand bien même parfois nous sommes capables du pire, Dieu continue d'aimer, de semer son amour dans notre monde. Mais que nous puissions, contemplant l'amour fou de Dieu pour nous, travailler par sa grâce, à mieux nous aimer les uns les autres,
à nous aimer comme le Christ, à nous aimer dans la vérité. Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de l'amour du Christ pour tous les hommes et présentons au Père toutes nos intentions de prière.
Nous te bénissons quand tu nous as donné ton Fils pour nous apprendre les commandements de l'amour. Prions pour notre communauté paroissiale pour que nous travaillions avec la grâce de Dieu à mieux nous aimer les uns les autres avec nos différences et nos richesses. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur vous soit avec vous. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureuses
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la Admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs,
avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les amis.
repas des noces de l'agneau.
Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour le temps des annonces. Quelques rappels pour rappeler sur la paroisse. Vous pouvez trouver une antenne du service diocésain Adrepio, service d'accompagnement spirituel. Aussi pour le catéchuménage, pour ceux qui souhaiteraient recevoir et préparer les sacrements de l'initiation chrétienne. Demain à 10h, ce sera la messe de rentrée pour toute la catéchèse, autrement dit pour tous les enfants, au catéchisme à 10h. Donne déjà les horaires de messe pour la Toussaint. Donc pour le 1er novembre, il y aura messe à 7h30 et 10h. Et pour le 2 novembre, commémoration de tous les défunts, une seule messe à 7h30. Et puis d'autres rendez-vous, notamment avec la pastorale de la santé, la pastorale diocésaine de la santé, samedi 4 novembre de 8h à 12h30 au foyer de charité. Avec le Père Aubert-Marie Beaufour. Ce sont des rappels pour tous ceux qui font partie de la pastorale de la santé dans nos paroisses. Dans le cadre du centenaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, la paroisse convie tous les couples en union libre depuis une vingtaine d'années à vivre un temps de grâce avec Saint-Antoine de Padoue le dimanche 12 novembre au séminaire collège de 11h à 12h30. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit pour les couples, souvent vous avez des annonces pour les couples mariés, mais là, on s'occupe des couples non mariés. Donc, n'hésitez pas à y participer, c'est le dimanche 12 novembre au séminaire collège à partir de 11h. Et on vous demande de vous inscrire. C'est organisé par la paroisse Saint-Antoine de Padoue des Terres Saintes. Un rappel avec la coordination diocésaine du renouveau charismatique catholique qui vous invite à sa retraite du 10 au 11 et au 12 pardon, novembre au millénium du Morlot Rouge, le thème les dimensions de l'amour de Dieu. Et puis dans le cadre des formations diocésaines, l'Institut Gaston-Jean-Michel propose une session biblique du 21 novembre au 30 novembre au couvent de Cluny sur le thème la figure de Jésus-Christ à travers les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, avec le père Paulin Koukouta, docteur en théologie biblique. Alors vous allez retrouver les dates, c'est pas plusieurs, c'est bien une seule session, mais qui se décline sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc la session est ouverte à tous, notamment pour les catéchistes, animateurs de catéchumina, préparation baptême, équipe funéraille, membres de la pastorale familiale et même ceux qui ne sont pas engagés, je vous recommande cette formation de manière à mieux répondre de notre foi. Il y a aussi une participation financière et l'inscription est obligatoire pour une meilleure organisation. Et puis le samedi 3 novembre, premier samedi du mois, il y aura messe au calvaire à 7h30. Ceux qui participent, n'hésitez pas à amener vos chaises pour plus de confort en présence de Jésus-Christ. Vous connaissez le calvaire, il fait bon vivre. On a célébré le mois dernier. Je peux aller le temps que vous célébrez Jésus-Christ en regardant la Martinique. Vous rêvez. Et puis, une dernière annonce avec la pastorale de la Charité. Bonsoir, je vous fais. Ne détourne ton visage de ton pauvre. C'est là le message que le pape François nous adresse dans le cadre de la journée mondiale des pauvres qui aura lieu le 19 novembre. Donc, pour ce faire, la pastorale de la charité et du social de notre paroisse cathédrale organise une distribution de repas aux profit des personnes en très grande difficulté. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette action par des dons. Donc, banquettes, peut-être des repas, des banquettes, des timbales, des couverts, le tout jetable. Donc, vous pouvez déposer votre participation après la messe, avant la messe, pendant la semaine, en week-end, à la cathédrale même ou au presbytère de la cathédrale.
Ceci jusqu'au 15 novembre, puisque le 19, journée mondiale des pauvres, donc nous allons distribuer les repas sur la place Monseigneur Aumônier, juste en face. Voilà. Donc nous vous remercions déjà, parce que nous savons que par habitude, que vous êtes généreux. Merci déjà pour vos dons. Voilà, donc vous avez le temps de vous préparer, et c'est un travail de journée qui est préparé avec l'assise que je pense beaucoup parmi vous connaissent. Donc c'est aussi signe d'amour de se décentrer de soi pour aussi donner d'une manière ou d'une autre à ceux qui sont en grande difficulté. Alors est-ce qu'il y en a qui veulent aimer plus qu'ils n'ont aimé cette semaine parmi vous, ou qui veulent aimer comme Jésus demande d'aimer? D'aimer sans compter, d'aimer à se donner, d'aimer sans rien attendre en retour, d'aimer jusqu'à pardonner autant de fois qu'il faudra, d'aimer aussi jusqu'à prendre soin de soi. Est-ce qu'il y en a? Alors ils peuvent se lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Alors on me dit que l'église en Martinique, comme on ne l'a pas donné, je ne peux pas en parler, donc vous allez voir ce qu'il y a dedans. Mais il reste l'église en Martinique, donc vous allez le découvrir. Autant que faire se veut. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et puis un petit coup de pouce cette semaine pour vous aider. Il y a certainement des gens que vous n'aimez pas, frères et sœurs. C'est vrai? Pas ça, ouais, mon nom. Le ouais, mon nom a changé trop de voix. Vous connaissez ça? Donc, dès que vous pensez à X, Y, Z, vous invoquez la bénédiction de Dieu et l'amour de Dieu sur cette personne. C'est pas difficile. C'est ce qu'il fait. Que Dieu vous entende. Bonne soirée à tous et bonne semaine.